Bonsoir. Bon, du coup, on va découvrir aujourd'hui Classified. Oh, ça va, s'endormir. J'avais dit 18h, il est 18h. Hein. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Donc voilà, ici, on va découvrir Classified France 44. Attends, je vais me baisser parce que. Ici on va découvrir Classified France 44. Ah bah nickel, je vais baisser. Alors effet que je vois ici. Voilà. Je sais pas si ça va mieux. Hop. Si ça va mieux comme ça. Je sais pas encore un peu baisser le jeu. Hein. Voilà. Je sais pas si on entend toujours le jeu et si on m'entend bien. Qu'est-ce que ça donne? Je suppose quand je vois le micro, c'est ton micro qui va pas assez fort. Bah, je peux encore augmenter le micro. Hein. Voilà, comme ça. Je sais pas si ça gueule pas trop fort. Si on m'entend. Au pire, je vais mettre à 0 dB. Voilà, peut-être si je le mets à 0 dB, ça va. Et si. J'espère qu'on entend toujours le jeu. Qu'est-ce que ça donne? Ah, là, c'est mieux. Ok. Et est-ce qu'on entend bien le jeu ou pas? Ou on l'entend en petite ligne de fond? Ça, ce serait top. Et du coup, tu peux réaugmenter, je suppose, réaugmenter le jeu. Voilà. Peut-être encore un petit peu. Voilà, peut-être comme ça. Non, ça va fort. Comme ça, peut-être. On va y arriver, hein. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. À mon avis, là, on est bon. Qu'est-ce que ça donne? On est mieux. Ah, attends. Donc voilà, c'est top là, nickel. Alors, Classified, du coup. Il est sorti hier. Je devais faire le live hier, mais... je n'étais pas au top de ma forme pour le faire. D'ailleurs, si j'ai ma gorge un peu enrouée, ou si vous entendez que j'ai ma voix qui est rauque... ou qui part, c'est normal. Mais du coup voilà, c'est un jeu qui est développé par Team 17. C'est ceux qui sont derrière Hell Let Loose ou le remake de Worms qui est sorti il y a pas très longtemps. Et c'est indépendant en fait. Donc voilà, Team 17, eux ils éditent des jeux qui sont indépendants à la base. Donc pour un peu leur donner plus de visibilité. Et alors ici Classified, c'est un 4X. Donc ça s'inspire de XCOM, c'est hyper célèbre, c'est la stratégie et tout, sauf que c'est la stratégie historique, donc c'est ça qui est encore mieux. Je le découvre pour la première fois avec vous, donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, donc il est sorti hier, on voit qu'on peut créer des missions, pour l'instant c'est encore en bêta. Et alors, il y a la campagne, des opérations spéciales qu'on verra après, manuel d'entraînement. Ça c'est pas très... On peut déjà aller voir ce que c'est. Hein. Mais c'est des instructions par rapport à tous les... Comme dans la plupart des jeux, ça donne un peu des informations par rapport à tous les éléments du jeu. Mais donc ce qui nous intéresse ici, j'ai légèrement commencé, mais je voulais vraiment le découvrir avec vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle campagne. En vétéran, bien sûr, on n'est pas n'importe qui. Hein, voilà. Commando, par contre, faut pas exagérer. Et on peut lancer la campagne. On va faire... la live. Voilà. Alors honnêtement, comme ça paraît pas waouh niveau graphisme, mais en vrai non, il est pas mal. De ce que j'ai vu, il y a des beaux effets de lumière et tout, il a l'air sympa. Et moi qui suis un ultra fan de tout ce qui est stratégie, 4X et tout, là je sens que je vais devenir dingue. We are parachuting into France to make contact with the resistance. Du coup, il y a une petite cinématique. Ils expliquent un peu qui est l'équipe principale. Donc, il y a trois gars. Il y en a un qui est un éclaireur, un qui est spécialisé dans les explosifs, et un qui a l'air un peu, je veux dire, plus banal. On va passer, on va pas regarder la cinématique. C'est juste ça, en fait, où ils sont dessinés.
Voilà. Ouais, je croyais aussi que c'était le jeu, hein, mais non, c'est. En vrai, le jeu ressemble à ça plus ou moins. Donc, il est pas vilain. Ça, par contre, je comprends pas dans les jeux. D'habitude, les cinématiques sont plus belles que le jeu même. Et là, c'est l'inverse. Bon, c'est pas non plus. God of War, quoi. Mais en vrai, ils se défendent pas mal. Là, il s'explique un peu comment est-ce que on déplace les personnages. Ici, on déplace Butch Cassidy là. Hop. Pour passer à Tom King, est-ce que. La touche tabulation. Hop. Moving out. Donc, en fait, je sais pas si vous connaissez les 4X. C'est comme Civilization. On dirait une cinématique. Ouais, c'est abusé. En vrai, c'est un truc de fou. Mais en jeu, je trouve que ça va encore. Franchement, quand on regarde les. Bon, je regarde vite ça pour les points d'action, je vais vous expliquer. Quand on regarde l'eau et tout, par exemple, en vrai, c'est encore sympa. Ici, quand on voit les ombres. En vrai, c'est pas vilain. Hein. Franchement. Mais donc, si vous connaissez pas les 4X, donc comme XCOM, en fait, c'est de la stratégie. On a une équipe. Et alors, c'est avec des points d'action, on peut déplacer les personnages, tirer avec et tout. Et chaque action dépense des points d'action, logiquement. Donc bah, par exemple, ici, si on fait, si on se déplace, bah, on dépense autant de points d'action. Par exemple, ici, si je vais là, je dépense 6 points d'action. 4, 3, 2, 1, 2. Si je tire, je sais pas combien j'en dépense. Donc voilà. Ennemi. Auf Wiedersehen, Herr Müller. Ah, c'est faire les poches. Attaque furtive. Ah, ça c'est bien par exemple. Il n'y a pas ça dans tous. Le problème c'est que si je fais ça, ils vont. Ah non, ils vont pas me voir. Je peux le prendre. Oui. Par contre, je trouve que c'est dommage qu'on sache pas. Bougez plus la caméra. Jauge d'embuscade. Chaque fois que vous tuez un ennemi sans faire de bruit, la jauge d'embuscade augmente. Lorsque la jauge est pleine, votre équipe entame immédiatement une embuscade et gagne un tour. Bon ça! Mais je sais pas si on peut. Ah, insouciance. Visiblement, on sait pas bouger le. Si je regarde les paramètres. Mouvement de la caméra. Désactiver trop de la caméra. Contour des unités. Bah, j'ai pas l'impression qu'on sache bouger. Résolution. Ouais, on va pas aller trop haut parce que. Qualité générale très élevée. On va pas aller non plus tester le ultra. En vrai, il y a moyen qu'il le supporte, mais on va pas, tenter de dire. Commande peut-être. Panoramique vers le haut, vers le bas. Ah, zoom avant, zoom arrière. Bah ouais, mais ça va pas. Il met la molette. K et L. Non, bah à mon avis c'est parce que c'est le tutoriel je pense. Sélectionnez votre attaque au corps à corps. Hop. J'ai plus ses fins. Wow. Ah, la barre là-haut. S'échapper de la grange. Contrôle de la caméra. Ah oui voilà. Pivoter, QE, molette pour zoomer et dézoomer. Ah oui, ah oui. Ok. Et est-ce qu'on peut. Non, ça sonne comme une bonne excuse pour faire un mess. En vrai, sympa. Mais si je bouge. Non, wow! Mais non! Je veux. Ah voilà, ça, je veux le voir. C'est dommage que ça ne soit pas soumis encore plus quand j'ai envie de voir de près. Bah, il dit QE, il n'y a que le Q. Ah, peut-être. Ah, ouais, parce que c'est un clavier. Ouais, ok. Ok. Autant pour moi. Bon, il faut que je bouge là. On va se le faire. Ah, c'est des buissons. Swell. Par contre, le buisson n'est pas très. Ok. Ah oui, donc je vois. Ok. C'est ici notre attaque au corps à corps. Chew on that. Moi, je veux qu'il prenne le buisson et qu'il le cache. Ah. Ah bah oui, il le cache. He's taking a shot. Je pense que c'est un tout petit buisson. Bruit suspect. Certaines actions émettent un bruit suspect que les ennemis peuvent entendre. Les ennemis qui perçoivent un bruit du fond. Face immédiatement.
Du coup, je vous ai pas expliqué au niveau du jeu. Donc, comme il le dit si bien dans le titre, c'est en 44 que ça se passe. C'est juste avant le débarquement du 6 juin. Donc, ce sont des résistants français et des gens parachutés. Donc, des résistants français aidés par des Australiens, des Canadiens et tout, qui se battent face aux nazis en fait, en attendant le débarquement des Américains, des Canadiens. Ah non, on a le truc d'embuscade, la barre est belle. Oh bon ça. C'est un petit rapide. Ah, ça prend. Ah ouais, en embuscade, ça prend qu'un seul point d'action. On en a 12, c'est possible que je puisse tirer 12. Où il est? Barely on solid ground and we're already painting the fields red. Éliminer camp de position devant la maison. Ok. Moving out. Ah ouais, ça c'est bien ça. En fait, c'est commun à tous les 4X. Ils captent une zone. C'est pas un 4X en fait. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un 4X? C'est pas du tout un 4X. Les 4X c'est comme civilisation, c'est pas comme civilisation. Enfin, plus ou moins, mais c'est pas non plus. Ici c'est plus ouais, comme XCOM, c'est pas vraiment un 4X. En fait, ça cible une zone et quand il y a quelqu'un qui bouge dans la zone, hop, il tire automatiquement. Je crois que c'est ce qui va se passer ici. À mon avis, l'autre va prendre la porte, ouais, c'est ça. Ouais, et là, du coup. Ah ouais, c'est pas automatique. Pardon, comme tu veux. Bad idea, amigo. Tu peux par contre. Tom, you got a shot on him? He's in cover, but I reckon I've got an angle. Yes! I'm out. I have to reload. C'est pas waouh non plus. My turn. On est passé de la PS1 à la PS2. Pas réponse. Parce que moral d'unité tombe à 50%. Moral est sapé. Mais c'est quand CPA sont revenus sur le site. Allez, vas-y. Moral brisé, c'est quoi, il va se partir. Ah oui, ok. Flanken sichern. Hör auf zu zittern und denk an deine Ausbildung. He's broken. See if you can flank him. Dann nicht Roger that. Roger that. Moving out. Roger. Rechargement. Oh mais du coup quand je recharge. Reloading. Je sais pas si je peux tirer. Ah ouais, si 4. Non, je peux pas tirer. Si je peux tirer. C'est une traction de tir rapide. I see you, darling. Allez. Roger. Bon ça. That's more like it. Good shot. En vrai, il est fun, je trouve. Les poursuites sont. I see a straggler around back. Ok, je dois aller là. Clear that house up, pronto. He's overwatching the door. I'll find another way in. Moving. Fenêtres et portes. Les unités peuvent briser les fenêtres et ouvrir les portes lorsqu'elles leur sont adjacentes. Oh, bah, là, il y a une action qui va se. Oh. Moving out. Mais du coup, c'est chiant. C'est que. Ouais, voilà. Check your six, Jerry. Oh bon ça. On ne reste plus là. Move it. Machine. Gotta reload. Clear? Clear. Aside from all the bodies, of course. Then let's move out. We gotta get to that rendezvous. Rendezvous. Indeed. Vincent must be worried sick.
Ah. After we escaped the dry gulch in the barn, we had to lie low while Adolf's fan club hunted for us. Tom and I shake off the Germans. On va pas se faire toutes les cinématiques, hein, parce qu'on a encore lendemain. Ah, ça j'aime bien ça. Ça j'aime. Aucune trace de Tremblay ni de Bélanger. Oh, c'est génial ça. On va devoir libérer toutes les régions. Non, c'est pas possible. À mon avis, ça s'arrête là, je pense. Ah, ouais, j'ai vu. Il y a une histoire de 45 missions au total. Donc, en vrai, je pense pas que celle-là est considérée comme une vraie mission parce qu'elle était très courte. Mais voilà, la carte est divisée en 10 régions, chacune disposant de 3 segments. Sélectionnez une région pour avoir plus de ses capacités. Une nouvelle mission est apparue dans votre région actuelle, la Picardie. Ah, en vrai, c'est fun ça parce que. Intrémiatement combat au début d'une mission d'assaut, les embuscades débutent furtivement et disposent d'une joue embuscade et mission furtive. Ok. Ça va parce que ça doit être assez varié. C'est dommage que je puisse pas monter là. Mais en Bretagne et tout, il doit y avoir des trucs sympas le long de la mer par exemple. Ou à Paris. Non, franchement, ça peut être fun. Du coup, Castier King ou le casier Tremblay. Mais il est revenu avec votre contact français, Bélanger. Mobilisez vos hommes et repoussez les assaillants. Allez! Ouais, visuellement, c'est crado, hein. Pouah. Maintenant, c'est indépendant, donc il est pas vendu cher, il vend du 35 euros, je pense. Donc, ça va, c'est raisonnable, mais ouais, c'est. Pouah. Tremblé, mais il avec votre contact français, Bélanger. Allez, c'est parti. Moi. Nicht horchen. Vincent's pinned down. There's too many. We need backup. Ah, lui, là, c'est en français. Let's get him out of there. There's too many. Ah ouais, ok, donc ils sont là. Ok. Bon. Ah ouais, c'est toujours un tutoriel. Pff, ça par contre. On va pas le faire. Permet de soigner les états de morale brisés et sapés et de récupérer des PA. Ok. On your feet, boys. The cavalry's arrived. I've never been so happy to hear in America. Ok, let's light them up. On les allume. Grenade, bon ça. Bon, on va l'acheter. Bah non, pourquoi je vais pas acheter là? Oh, ça c'est complètement. Bah là, j'en loupe deux. Là, on les aurait tous. Non, je. Ah ouais. Alors, eux, par contre, ils gardent. Ok. Ok. Oh, bon ça. Arme de poing base. En vrai, sympa. Ah ouais, on va pouvoir tirer sur le. Malin, smart. Ah, par contre, lui est toujours vivant. Ah non, il est mort. Oh, par contre, la caméra là. Augen offen halten. Achtung! Il n'y a pas des masses d'action hein, dans un jeu comme ça de stratégie, c'est beaucoup plus lent et tout, donc désolé si ça pompelle pas, je fais ce que je peux. Yes. Hilfe, Hilfe.
À ton service. À ton service, sœur. Ah, il va venir me soigner. En mouvement, this may sting a little. Ah, c'est sympa qu'il parle français comme ça. Si l'unité subit des dégâts lorsqu'elle est à terre, elle se replie. Approchez-vous des alliés, réanimez-la. Réanimez-les. Yes. Les trousses de soins, je Thanks. Take care. You cannot afford another wound like that. En mouvement. Et voilà. We're clear. Reinforcements. We're not out of the woods yet. Regroup. We gotta hold them back. Ok. Better patch myself up. Negative. Là. Moving out. Just what I was looking for. Vous pouvez désormais sauvegarder vos parties, les charger. Ah, donc maintenant, c'est bon, je suis libre. Ok. Bon bah, on va faire rentrer tous nos hommes. Hop. Ok. C'est quoi ça? Magazine's almost dry. What's the plan? Ah ok, c'est pour avoir les... Ok d'accord. Bah du coup lui en vrai, je sais pas si ça donne au niveau de la protection là. C'est trop loin à mon goût. Bah ouais, je me doute hein. C'est vrai que c'est pas des... C'est pas des masses rapides. C'est de la stratégie quoi, si tu vas trop vite... Bah tu peux... Tu fais vite... Tu fais vite de la merde quoi. Donc ouais, je me doute. Maintenant c'est un genre sympa. Perso moi je kiffe. En mouvement. Parce que tu... Bah tu dois bien réfléchir quoi. C'est... Enfin pas que tu dois bien réfléchir mais... Tu... Oula. Ah bah attaquer. Ouais moi j'aime bien perso. Attaquer. Quoi? We gotta get out of here. If we destroy the radio tower, it might buy us enough time to escape. If we destroy the radio tower. I've only been in the country for an hour and you're already speaking my language. Prepare for extraction. OK. Ok, l'extraction est là, ok ça va. Bah écoute grand, on va aller là. Moving out. Allez. Get moving, she's gonna blow. We have succeeded. Ça explose quand? Au prochain tour? Non. Pas maintenant. Parce qu'il va mourir. I'm low on ammo. En mouvement. Par contre, vous n'avez pas accéléré quand il bouge ou passer de personnage. Ça, c'est casse-pied. Hein. XCOM, par exemple, on sait passer les mouvements et tout. Ça, c'est quand même plus sympa. Normalement, tu vas pas me mettre comme ça. In position. Ouais. La tour va pas exploser maintenant, quand même. Enemy. Non, ça va, ok. Voilà. Ça, on quitte la zone. Là. You want me? You want me? I want you. My clip's almost empty. En mouvement. Ok, voilà. Bon, par contre, ce sera pour le prochain tour. Ah, mais je vais peut-être prendre lui. Weapons dry. Non, ok. Prendre What do you need?
avec ça. Pas assez de points d'action, ok. Bah on passe hein. Stellung halten. Flanken sichern. Flanken sichern, Freund. Oh, was geht? I have to reload. Yeah. Moving out. I'm low on ammo. Yep. Move it. J'espère qu'ils peuvent pas retirer l'explosif parce que sinon je suis pas dans la merde moi. Personne ne vient de par là. Voilà, tour suivant. Bon, ils ont pas l'air d'être assez fut-fut pour aller avoir de retirer. Donc... C'est ça qui va le retirer. Ah. Allez, c'est bon. Retour arrière, compliqué sur fin de tour. C'est en fin de tour. Ah, c'est là. She's coming down, fellas. Voilà. J'avais peur que ça tombe sur le mur et que ça ne ça passe à travers, quoi, que ça le détruise pas. I think I'm going to like it here. Ça va. Eh ben voilà, deuxième mission faite. En vrai, ça va la durée des missions. An invasion is coming to free Europe. C'est rapide sans être trop rapide. We're here to prepare the ground for D-Day. 35 ou 40 heures, je pense. Is to help the French resistance. To sabotage the Germans and build a secret army of patriots. We will form partisan groups behind enemy lines. Donc en fait, ce qu'on doit faire, c'est remplir la barre de résistance. There's an Australian guy who has parachuted in and needs a hand. Okay. Here's some Bolshevik kid. He's got the student groups fighting for him. Pick your poison, ladies and gentlemen. Who should we go get? C'est bien ça. On doit à chaque fois faire le choix entre deux missions. Now we are all safe. We should check our equipment. Replacements are hard to find. Make sure you have everything you need. Alors on a le camp pour voir nos hommes. Cohésion d'équipe. Souhaite se parler. Oh. Willard, no more jokes. When will the invasion come? You know as much as I do. Late spring, early summer. Ah, là il parle du débarquement. Soon. You've seen this city. Ça c'est sympa. Hein. What if the Germans throw the invasion off the beaches? Ça c'est vraiment sympa. Then I guess Eisenhower will try again. Look, Charles, Anzio showed we've gotten good at this. What's the worry? That we repeat Dieppe. Then we have to wait for another campaign season, another year. Eh ben non, ils ont réussi mon grand. You know, we Jeds are here as pathfinders. We're here to make it happen. I know. Je sais pas c'est quoi Jedburgs. Is that we do not do enough. Ce serait quoi, australien ou les parachutés? Je sais pas. C'est qui a parlé? Non, c'est pas lui. C'est lui, je crois. Et alors, on peut les personnaliser, ça c'est bien. Changer les armes. Voilà, par exemple, j'ai deux armes différentes ici. J'ai une M1 ombre qui visiblement améliore le ciblage. Bonne soirée en tox. Ah, c'est sympa ça, on a un revolver. Corps à corps. Ah, bombe collante. Je pensais à. Ah, c'est à Fortnite les bombes collantes. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est anti-char ça par contre, ok. Musette de démolition, corps à corps secondaire principal. Ok. Ok. Niveau des ennemis, ouais. Jour avant le jour J. Ah ouais, ah ok, je viens de voir. Donc il y a 53 jours avant le débarquement. Ok. Ouais, mais on va pas le personnaliser. Qu'est-ce qu'on fait? L'étudiant, recrutement de meneur. Un étudiant ayant des capacités de meneur, Jacob Bloch, a été capturé et sera bientôt transféré hors de portée de ses alliés de francs-tireurs. Libérez-le et éliminez ses ravisseurs. Récompense, veste de réfractaire, M911 accompagne. L'autre, c'est quoi? Un Jedburgh nommé Holly Johnson a été largué hier, mais les Allemands l'ont acculé dans une église. Allez sortir de là, faites en sorte qu'il vous rejoigne.
Soit c'est un mec qui sait se battre, soit c'est un gamin, un étudiant. Non, j'aime mieux ça. Ouais, ouais, c'est mieux. On va aller prendre des 4, hein. Récompense, ok. Oh. Chapeau, ok. Ici, je prends présentation. Objectif secondaire, tuer des ennemis avec des explosifs, briser le moral. Ok, allez, go. Après, on ira vite faire un tour sur le créateur de mission. Et sur les opérations spéciales. Et puis, je pense que ce sera bon. On l'aura bien découvert. Ça, c'est vrai que c'est vilain, hein. C'est dommage. Wow. Christ, more of them. Hang on, you're the cavalry. How about you lend me a hand? Prêtez main forte à Johnson. Salut Johnson. G'day. Ok. Qu'est-ce qu'il a, lui, une mitrailleuse? Ah bah, bon, ce qu'on va faire, c'est ça. I'm in posse. Il vise un maximum de personnes. Lui. 9. Tirer ça en prend 6. Donc si je. Quoi qu'il. Où que j'aille, ça va. Ouais, ben on va aller là déjà. Ça. Non. Ça va t'agir. Voilà. Alors. Ici. Ça me souffle. Ah ouais, c'est le véhicule. Ok. Je sais pas si, si je tire, si j'en touche. Mais... Ah ouais, 79. 79, 46, 100, 79. On va faire lui. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Okay. Moving. Là. Et on va se mettre en surprise. Prêt. Et alors, ici. Le mettre. Pourquoi est-ce que. C'est quoi la différence? Ah oui, oui. Hein? Ah oui, non, il est de l'autre côté, ok. Ouais, bah, ce serait plus smart de mettre. Moving! Voilà. Ok. Et lui, on va faire. Area covered! Voilà. I have a target! Attaquer. Il y en a un autre? Non? 43%. Ignorer. Dead man walking. Fire! Oh, I've taken a knock. J'ai peut-être fait n'importe quoi là. Ah lui va ça. Non. Ok, vas-y tire. Taking the shot. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là. Je suis en train de faire n'importe quoi. D'autres qui va arriver. Allez, hop, c'est bon. Tire sur lui. Non. Ah non, je sais ce que j'ai fait. Faire le ralliement. What's the plan? Non. Ben non. What's cooking? Everyone, fuck up. We're still in the game. Ça, ok. Et maintenant on va tirer sur lui. 54% de prison, c'est pas ouf, hein. Je jette une grenade. Ouais, non, ça sert pas à grand chose non plus. Peut-être me bouger. Bouger. Non, lui. Yep. Je vais le mettre là. Moving out. Hop. Too close. Watch your fire. 35, 11, 0, 100. Bah oui. Vas-y. Roger. Clean kill. Voilà. Alors ici, lui, on va lui dire d'aller. Ah, c'est bien, ça nous dit quelle sera la précision. Ok. Ben voilà. Lui soigne. Okay. Et tu vas tuer lui. Roger.
I've got a bead on him. Oh, bag the blighter. Voilà. That's a humdinger. C'est bon, on se rattrape. Depuis tantôt, je suis obsédé par la caméra. Je me demande ce serait pas mieux qu'elle soit là. Je teste, hein. Non. C'était mieux là. Voilà. Alors, j'en étais où? Là, il y aurait 85. Là, il ne le verrait pas. Ouais, bah non, bah, là, c'est pas mal. En mouvement! Voilà. Oui, c'est un tireux. Oh mince! Bon, bah. Voilà, vérifiez votre secteur! Ah, vérifiez votre secteur. Move it! Okay! Roger! Bon, ça, oh, c'est bien ça. Oh! He threw a seven! Bravo! Sure! Pas mal. Oh, ça, c'est classe. Oh, ça, c'est classe. Hop. Et il vise là. Lui, ben, voilà. Voilà. Yep. Et il reste lui ici. Non, you lui. Want me? You want me? Yes. Fast run. C'est quoi la précision celui-là? 45, 38, 79. En vrai, je vais aller là. Il y a moyen qu'il le touche direct. Oh là là, et je fais n'importe quoi. Je suis pas nul du tout. Toi, tu vas me faire. Tu vas me faire ça là, voilà. Next. Like you brought Jerry to the party. Non. Take position and don't be shy with the machine. Je vais faire n'importe quoi. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Ouais, vas-y. We'll hop, c'est bon ça. Ah lui il se bat. Ah bah super. That did the trick. Ok, ça va. J'ai de la chance. What's up? Toi tu viens, on va se faire lui. En vrai il faut se faire lui parce que. Ouais, là, c'est... Il va y avoir des gens qui vont venir. C'est ça que j'ai vu. Là ouais, ok. Là il a. Ok. Checking my sector. Là. Quel. Oh, je vais en mettre 2 là et 3 là. Moving. Chaque. Meine Flanke ist offen. Peut-être que tu es là plutôt, c'était peut-être plus smart. Je change d'objectif aussi. Ich werde flankiert. Ich werde flankiert. Covering the area. Là. Alors, nous. À nous. Ici. Moving. Check. Watching for targets. Là. Lui. En mouvement. Des petites crampes au vent, désolé. Si je fais des grimaces. I am in position. Oui, PA. Ah ouais, si je vais là, ok, ouais. Bah, je vais le mettre là. Et je vais covering the area. Shafadas. Air mitrailleur. Ça veut dire quoi? Air. Pourquoi il y a air? Et bien sûr furtive, impossible. Ok. Bah bah vas-y. Attack! Oh, bon voyage. Target. Et toi aussi, vas-y. He's gone. Hurry up. Oh God. C'est pas dead grave. Man walking. Moral sapé. Lui bah hop. Il est fini. Taking the shot. Voilà. He's full of lead. Lui soigne. He's a right off. Ça c'est bon. Ça c'est une affaire rondement menée. On va reprendre la caméra de base parce que j'aime bien. Voilà. Moving out. Enemy sighted. Là, ok. C'est que je ne pense jamais à prendre l'arme de poing, mais je serais peut-être plus malin à un certain moment. Si je tire, moi il se passe quoi? C'est vrai que je pourrais détruire ça, mais je vais pas prendre tous les dégâts. Ce que je vais peut-être faire, c'est ça, et ça va exploser près de lui. Ah non, non. Grenade!
des deux explosions, on va faire. Handgranate! Starkline! Weiterkämpfen! Ça ne servit strictement à rien. Là, ça donne quoi là si je tire? 80. Tire! Ah bon, ok. En mouvement! Non, je sais pas quoi. Hop! Ah ouais, elle doit se le faire. Roger. Sure. Oh my God. C'est comme s'il avait rien fait. Ok. Non, ok. Super. Voilà. Oh là là, il y en a partout. I have a target. Vas-y. He bought the farm. Last round, I need a refresh. That's a clapper. Et l'autre extrémité. That did a trick. Ich kämpfe weiter. Ah non, ça va être fait. Du coup, on va bouger. En vrai, ce qui serait smart, c'est peut-être de prendre un. Non, de prendre lui. You want me? De venir là. Non. Plus smart, ça va être de faire ça non plus. 9 là. Voilà. Voilà. Et là, il y a peut-être moins que je le touche, je pense. Non. Non, non. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Lui. Move it! Pas ça fait grand chose, donc il faut juste qu'il jette ça là. Grenade! Granate! Ah! He's done for! Bravo! Ça c'est fait. Alors, il reste. My clip's almost empty! Bah, il faut venir. En mouvement! Là, il va aller se faire. Ah, oui, non, ça va juste. Ouais, non, ok. Hop! Ah, j'aurais pu prendre le fusil. L'arme de poing. Ça aurait été plus smart. Tant pis. Moving out! Il peut le toucher. That's too close. Ah. Friendly fire. That's too close. Ok. Ok, je comprends ça. Moving. That's too close. Ah, toujours. Ok. Yeah. Friendly fire. Mais ça va les gars. Move it. That's too close. Toujours. Ah salut. Oui. En fait, il fallait que je prenne dans la boîte le câble du casque qui divise en deux sortie casque et sortie micro. Donc voilà. Ça fonctionne maintenant. C'est quand même mieux parce que le son de la caméra il était pourri donc. Donc voilà, c'était bien mieux que je fasse ça. C'est vrai que je pourrais le soigner mieux. Attends. Ah ok, tant mieux. Yes. Ouais, tant mieux. Où en est-il? Mais non, en fait, lui, ce qu'il va pouvoir faire, peut-être, c'est peut-être venir ici. Ah, je peux tirer de là. Pourquoi ça va pas? Ah voilà. I got him lined up. 999. Last round. I need a refresh. 999. Ok, il y a eux là. Mais eux, j'ai lu qu'ils ne tiraient pas directement quand ils arrivaient, donc on essaie. Ouais, il est top, franchement. Enemy. Ben moi qui j'adore les jeux de stratégie, donc voilà, mais il y avait Antox là qui disait que plus c'était fort lent pour lui. Bah t'aimes ou t'aimes pas. Hein. Moi perso, je suis fan.
Les... Bon, il est pas très beau. Mais pour un jeu vendu, je crois qu'il est... C'est pas plus de 40 balles. En vrai, c'est sympa. C'est très... Ah, lui, il faut qu'il reload. Si je fais 5... Ouais, ça reste... C'est très... parce que je préfère mon truc. Ouais, mais toi, c'est les jeux... les JRPG. C'est sûr que avec un JRPG, ça n'a rien à voir. Ça, pas te le cacher. Bah, tire. Alors, là, il y en a un. Ok. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas tiré? Ok, il a plus de monde. Loading. Ok. Ouais, on va faire ça, sera plus smart. Voilà. Ok, lui, il est toujours pas mort, lui. Ça fait quoi si je tire dessus? Bon, il sera pas mort. On va recharger déjà. Là, il est mort. Ah, j'adore, il peut pas servir la résistance. Smart. Après, il y a beaucoup de chirurgie tactique un peu dans ce genre-là. Même comme ça, c'est pas mon gameplay préféré. Ah bon, je sais pas. C'est vrai que. Est-ce qu'il y avait pas un Dragon Quest dans ce style-là, il me semble. Il me semble qu'il y a pas un Dragon Quest comme ça. Un peu. Stratégie. Je suis pas certain, mais je pense. Moving. Ah, lui, il a peut-être moyen qu'il pète la main. Varmint. Là, j'avais dit qu'on ferait cette mission-là, puis qu'on passerait. Truc, je sais pas si on a le temps de passer. Bon, allez, on va essayer de passer aux opérations spéciales. Sure. He's in my sights. Dragon Quest, c'est possible, il y a évidemment un spin-off. Ouais, ouais, mais je crois que c'est un spin-off. Je sais plus le nom. Je dis peut-être n'importe quoi. C'est combien que ça? Ah, c'est 1. Ouais, en vrai, ce serait pas con d'aller là. Moving! Un 3, ok. Bon, on va acheter un grenade. Grenade! Un grenade! Enlève all of ya! Bon, il nous en reste 2. Lui et l'autre là-bas. Target sighted! Ah non, 3. Ok, bon allez. Briser le moral des ennemis avec Johnson. C'est qui Johnson? C'est pas lui Johnson. You need me? Oui? I'm low on ammo. Get out. Johnson, le plan. Veillez la survie Johnson. Tu es la dernière vague. Ah, il y a encore 3. Ah non, c'est ok, ouais, c'est les 3. C'est 3 ans. Okay. What do you need? 35, 100. Non, ça sert à rien. Yeah. Can confirm. Taking the shot. Stock bleiben. I'm dry. Gotta reload. Je sais pas si là y en a un qui vient. Ouais, y en a un là. Ok. Ben, ce qu'on va faire, c'est aller se mettre là. Moving out. Ok, super, j'ai plus assez. Roger, ready? Aim! Oh god! Ok. Alors, ici, eux. On va faire ça. Yeah. Yes, taking the shot. Ce que je vois. Ah oui, briser le moral, oui, oui, juste là que je tilte. C'est en. Sans détruisant leurs deux barres en dessous. Là. I cannot make it. What's the plan? Le là, Johnson. Bah du coup, on va détruire le moral d'un. Comment? Je sais pas, mais on va le faire. Move it! When the flank is often friendly fire. Oh, c'est pas grave. Hate this! Bloody hell!
Ah là, il y a une morale, donc ça c'est... Ils ont tous 0 points. Ouais, ok, bon, allez, hop, tour suivant. On arrive à se faire tirer dessus. Ok, là, c'est bon. Reiß dich zusammen, reiß dich zusammen. Cheers, Cobber. So sterbe ich nicht. On va se faire les moches. Bon, là, il y a moyen, hein, je pense. Changing man. Non, par chat. On it. They're in my sights. Aufhören, bitte. Je m'attrape une touche. Bon, hop. Ça touche. He's gone for a version. I'm out. Next. I have to reload. That's a clapper. Mag's dry. I'm wrong. Bah, il est bien difficile à viser. 3. Oh, en vrai, il y a peut-être moyen. Je vais mettre la diagonale. C'est pas trop. Grenade! Granate! Wurde getroffen! Et alors, I'm low on ammo! Moving! C'est qui ça? C'est Johnson? Si je tire, il se passe quoi? Non, c'est 6. Ok! Take a pill! Mouvement. Ah mais il en restait un. Vérifiez aussi, votre secteur. Fire, you give me a sore head. Là, je... Deux fois qu'il son coup. Macht es das aufhört. Meine Kamera. Pas mes gars. Denken. Oh. Bon, allez. Là. Voilà, là c'est bon. How'd you like this? Ah! He bought the farm. Bon. Knocked him for six. Ensuite, il y a celui-là. Ouais. Reloading. Comme ça, fusil à pompe, tout aussi loin, ça ne sert à rien. Je peux essayer. Wilco, I got him lined up. Oh God! Ça va juste simplement aller. I gotta reload. I gotta... En fait, il faut que je le contourne. Suis-je bête? Si moving out. Il fait la flanquette. Passe. Roger. Aim. My sector is. Et voilà. What about yours? That was a bit hairy, mate. Bon, par contre, on n'a pas l'objectif brisé de morale, je sais pas comment ça allait. Vraiment, je sais que c'est normal, mais ça n'allait pas. Bon, ça... 4 étoiles? Ouais. Passé. Ah ouais, voilà, donc j'ai débloqué un nouveau personnage, à l'anglais. Demande si quand je vais... Ah ouais, donc ils ont des points de compétences, ça c'est sympa ça. Bah non, on va recommencer. Quelle idée. I'm second lieutenant Oliver Johnson. And I was parachuted into this shit show. Oh, on va pas regarder toutes les cinématiques sinon on n'en sort pas. Améliorer la puissance de la région. Ah, ça passe là. Parce que vous appuyez sur une mission, pardon, la fonction qui associe gagne de la puissance de la région. Un emplacement de votre choix. Dès que la puissance d'une région atteint le niveau 3, ses capacités bloquées. Au moins la puissance d'une région remplit également sa jauge de force de la résistance située en l'écran, ce qui améliore vos chances de victoire pour le jour J. En vrai, c'est fun. C'était où la mission? C'était dans le nord? Non, c'était là. J'ai vu où c'était. Remplissez les 3 segments d'une mission pour débloquer ses capacités. Ok. Ah oui, c'est là. Oh. Oh. Les autres résistances.
There's a pair of resistance contacts eager to join our little swarm. We have a Moroccan Goumier who's desperate to fight. Take your poison, ladies and gentlemen. Ça c'est sympa. Reconnaissance. Les forces aériennes expéditionnaires alliées entreprennent des milliers de reconnaissance sur la France pour fotographier les points stratégiques comme les plages, les installations et les bases ennemies. Ces rapports sont complétés par des renseignements fournis par les espions de la résistance et une carte de défense allemande. There are many resistance. We'll have to balance. C'est vachement complet. Hein. Il est vraiment bien, je trouve. Quand? Ah ouais, voilà. On peut encore écouter une discussion. You are Québécois, Canadian? No, from Ontario. But I grew up in a French neighborhood. We spoke French around the dinner table. So your family is originally from France? They came over 300 years ago. From Anjou, I think. Anjou. So you're home now? I guess, kinda. As a schoolboy, I wanted to visit France. I had this dream of visiting Jacques Cartier's tomb. We can play tourist after the war. I'll take you to Saint-Malo myself. I think I'd like that. Ça peut être quelque chose. Donc du coup, on peut améliorer avec les compétences. On peut changer le nom de code. Ok, bon, on va laisser. Ah voilà. Je crois que c'est là. Non, c'est pas là. Ah, on peut même changer. Putain, c'est sympa. Casque para, sans coup au chef. Ok. Mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux. Ah ouais, à mon avis, plus on va avancer dans le truc, plus ils vont voir qu'il y a de la résistance, plus ils vont battre les Allemands. Mais je veux changer les points de compétences. Je sais pas où c'est. Ah, peut-être dans Arm. Secondaire. Ok, non, c'est pas ça. Grenade non plus. C'est bizarre, il n'y a pas. Ah, mais c'est là en fait. Compétence. C'était pas mal. Grid compétence. Ah, oui, ok. Et on peut du coup améliorer. On se reprend. C'est sympa ça pour un. Ouais, acheté. Du coup, je voulais qu'on regarde. On va revenir au menu. Sauvegarder d'abord, parce que je vais perdre ma partie. C'est celui-là. Ça, je la supprime. Je suis pas supprimé. Ah non, ok. Autant pour moi. Supprimé. Voilà. Quitter vers les 30. On va aller voir le truc et puis on s'arrêtera là, je pense. Opération spéciale. Ah, c'est sympa ça. Donc en fait, c'est toutes des opérations, des missions que qu'on crée. Ah, on peut se connecter à un mode. Ah ouais, ok. Avec le créateur de mission en fait. Si je fais créer une mission. Ah oui, ok. Dire je sais pas moi d'idées, voilà, ok, terrain d'aviation, ça c'est l'environnement, faible luminosité. Pourquoi ça va pas quand je fais créer? À mon avis c'est parce que c'est toujours en bêta, donc c'est dire annonçable d'un minimum de 10 caractères. Ok, raid sur la base aérienne. Je suis très créatif, hein. Créer. Ah oui, en fait c'est limite un moteur de jeu. Ah ouais, c'est balèze. Ça me satisfait le nord. Ah oui, carrément. C'est toujours en bêta, mais ça a l'air vachement bon. Il faut comprendre par contre, parce que Kigo, je peux te passer ces modifications du scénario. Maintenant, si on n'a aucune indication. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. On reprend sur l'université parce que sinon on voit rien. Modification de qualité de l'ennemi.
C'est pas très intuitif. Hein. Heureusement que c'est qu'en bêta parce que. En vrai, c'est fun, mais. Ah ouais, c'est acheter des scripts et tout. Ouais, en vrai, il y a moyen de bien s'amuser. Hein. Le mec qui veut faire un truc de dingue. Parce qu'il y a plein de trucs, il y a des scripts. On voit bien que tout est en bêta. Hein. C'est toujours. La carte. Largeur de la carte, on peut agrandir. Ouais, non, c'est sympa. Bon, par contre, je vous aime bien, mais j'ai un peu la flemme là de passer de casser la tête là-dessus. Bon, bah voilà. Je pense que. Creepage de tête. Ouais, c'est normal, il y a encore personne qui joue, il est sorti hier. Enfin, qui joue aussi, mais qui. Ah, commence à créer des cartes, je suppose. Ah, en vrai, il a l'air sympa. Le test débarquera bientôt sur Geeko. Dans les quelques jours, le temps que je le teste bien. Mais voilà, comme ça, on a un peu pu le découvrir. Et j'espère que vous avez kiffé aussi. Et du coup, bah, je vous dis à bientôt pour un futur test. Ciao, ciao!